Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est pratiquement aujourd'hui 19 mai 2016. Jeudi 19 mai 2016. Je vous parle depuis Liège, la Belgique. Voilà, que Dieu Seigneur vous bénisse. Je suis en train de finir l'apothéose de ma tournée dite européenne, la tournée européenne. Et dont le thème était reçois Jésus-Christ et viens investir en Afrique. Ça, c'est important parce que c'est l'évangélisation. Reçois Jésus-Christ et viens investir en Afrique. Donc, nous n'avons plus le temps d'évangéliser. Je tenais à dire merci. Merci pour l'expérience que j'ai vécue personnellement avec ceux de la Suisse. Parce que quand je suis rentré à Paris, j'avais des difficultés en matière d'organisation. Parce que, voilà, donc j'ai laissé à Paris 2 semaines pour que Paris organise, n'est-ce pas? Donc, avec Paris, ça fait ça. J'ai fait 3 semaines. D'abord, il y a eu le concert, par la grâce de Dieu, après ça, le 2, encore, j'ai eu un grand programme sur Paris. Et j'ai donné la possibilité à Paris de s'organiser parce qu'il y avait un problème d'organisation. Il y avait un problème de moyens pour tout louer les salles et tout ça. Donc, j'ai plein de gens qui se rassemblent pour louer les salles. Donc, j'ai laissé 3 semaines parce qu'il y avait, trop de difficultés financières, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, les différentes salles. Voilà, donc j'ai laissé Paris. Non, je compte poursuivre la tournée. Je suis arrivé, n'est-ce pas, m'inviter en Suisse par le biais de ma fille Henriette, qui j'ai dit merci du passage. Henriette et Rose, qui nous ont très bien reçus par la grâce de Dieu et cette délégation. Ils ont payé notre billet d'avion aller-retour. De Suisse à Paris. Voilà, aller-retour, Paris, Suisse, Suisse, Paris. Voilà, donc, et puis, ils ont très bien reçu à l'hôtel Ibis, de base. Voilà, et après ça, nous avons eu à partager l'évangile avec toute cette communauté où Jésus-Christ s'est manifesté puissamment. Merci pour cette sœur, mes filles spirituelles. Encore, nous avons aussi l'invitation de mon fils Dibi, voilà, Fernand de Bonifacio. Voilà, Bonifacio, nous avons eu un grand programme, n'est-ce pas, à Verona. Au Verona, merci aussi à cette grande communauté camerounaise qui s'investit encore dans ce programme. Mon fils Dibi et cette communauté camerounaise se sont entendus. Et les frères à côté ont cotisé. En fait, ils ont payé le billet d'avion de la délégation qui vient avec moi, aller-retour l'Italie, Paris. Paris, Italie, Paris, Verona, Verona, Paris. Voilà, donc c'est bien passé. Nous sommes même logés dans un hôtel de 5 étoiles. Ils se sont très bien occupés de nous. Ils ont pris les voitures à nos dispositions. Nous avons eu une grande salle. J'étais aussi à dire merci à ces pasteurs-là. Qui nous a cédé sa salle à Verona. C'est une grande salle, par la grâce de Dieu. Nous avons eu l'occasion de Seigneur partager l'évangile du Seigneur. Après cette expérience, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au Danemark. Au Danemark avec le frère Dosso et toute sa, n'est-ce pas, cette organisation mise en place au Danemark. Nous sommes arrivés au Danemark, par la grâce de Dieu, en vol Air France. C'est bien aimé, là, l'organisation qui a payé mon vol vers cette délégation aller de Copenhague, Paris, Copenhague, Copenhague, Paris. Voilà, donc c'est bien passé par la grâce de Dieu. Et il y a aussi l'invitation à aller prier pour une famille en Allemagne, et précisément à Munich. Milan, Munich, j'ai mis beaucoup l'accent sur la prière, la famille et tout ça. Voilà, donc après ça, par la grâce de Dieu, je suis sous l'invitation encore d'une famille de l'enfant spirituel à Liège, en Belgique. Donc c'est vraiment très bien passé par la grâce de Dieu, à part les souvenirs des attaques bizarres que j'ai reçues par la grâce de Dieu. Mais dans l'ensemble, c'est bien passé parce que ça m'a permis, moi, personnellement, de comprendre un peu les difficultés de la diaspora. C'est ça vraiment important. Et quand je fais le bilan, déjà, il y a eu la manifestation puissante de Jésus-Christ dans la conversion des âmes. Et ça, c'est vraiment important dans la conversion des âmes. Et puis bon, les âmes ont été converties, Jésus-Christ s'est puissamment manifesté. Je suis venu ici en Liège avec le pasteur Gaël. Le révélant Gaël est en train de pouvoir échanger, étudier la stratégie maintenant d'après le programme du prophète Crasso, le suivi des âmes. Parce que c'est important, je suis prophète, je ne suis pas pasteur, et quand je finis ma mission, quelqu'un doit, n'est-ce pas, poursuivre. Parce que chaque homme de Dieu, n'est-ce pas, son ministère. Voilà, merci parce que c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Et je tenais aussi à dire que le programme de Toulouse est annulé ce matin. C'est vrai que c'est... Mais
Le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas venir à Toulouse, que Toulouse soit reportée. Donc Toulouse est pratiquement reportée. Voilà, je tenais à m'excuser près du comité d'organisation, je tenais à m'excuser près du comité d'organisation. Quand je rentre maintenant, demain, vendredi, je prends mon vol et je m'en vais. Voilà, je prends mon vol vendredi et je rentre. Voilà, parce que sur mon billet, je dois retourner le 20. Voilà, donc je prends mon vol vendredi même, la veille, voilà, de la veille, mon billet. Parce que si je dois changer, c'est pratiquement 700 euros. Si je dois changer le billet, ça fait pratiquement 700 euros. Donc vendredi, je prends mon vol et je rentre sur Abidjan. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Donc le programme de Toulouse a été reporté à une date ultérieure. On aura l'occasion de communiquer. Et je dis encore que le Sénégal est programmé dans le mois de juillet. Et en même temps, Zégo, le village de Zégo dans la région de la sous-préfecture de Iré, est programmé pour le mois de juin. Nous avons fait une évangélisation à Zégo. Nous avons fait une évangélisation dans beaucoup de villages de Iré. Nous allons faire une évangélisation aussi à Soubré, dans les villages de Soubré. Nous allons aussi faire une évangélisation aussi dans les villages de Ouagadougou. Donc déjà, des personnes ont pu déjà entrer en contact avec nous. Il y avait déjà des villages programmés. Mais pour dire en un mot, merci pour cette tournée. Et le village et le Toulouse a été annulé. Le programme de Toulouse est annulé et reporté plutôt du moins. C'est plus intéressant à une date ultérieure. Voilà, compte tenu du fait que vendredi, demain vendredi, je prends mon vol pour rentrer, n'est-ce pas, sur Abidjan. Voilà, sur Abidjan. Voilà, j'étais là, me dis merci à tous ceux qui m'ont fait du bien. Et merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette tournée, à tous mes enfants spirituels à plus. Et merci aussi à ceux qui m'ont agressé et qui m'ont vilipendé, parce que ça m'a beaucoup aidé aussi à grandir dans la tête, de comprendre que ce n'est pas tous ceux qui nous entourent qui sont des bonnes personnes. Il y a des personnes qui nous aident aussi souvent à comprendre la méchanceté humaine. Donc, shalom, que Dieu vous bénisse.